du jatropha, de la citronnelle et bien d'autres herbes, le tout mixé. Et le résultat final est un produit cosmétique, pas pour embellir la peau, mais pour éloigner les moustiques. Ginette, entrepreneur burundaise, fabrique en effet une gamme de savons, de lotions et d'huiles anti-moustiques. Sa contribution à elle, à la lutte contre le paludisme. Les gens comprennent, ont compris notre message et appliquent le fait de lutter contre le paludisme. Ils ont compris que le paludisme, c'est une maladie grave. Et donc, on doit lutter contre le paludisme avec des produits locaux, pas seulement les produits qui viennent de l'extérieur. Donc, on produit ici localement et puis on consomme localement et surtout, on prévient le paludisme. C'est en 2010 que Ginette est rentrée du Canada et a commencé à expérimenter ses produits avec des plantes et des herbes cultivées localement. Après ce travail en laboratoire, ses produits sont vendus dans son magasin de la capitale Bujumbura. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'efficacité est prouvée. J'utilise ces produits depuis un certain temps et j'ai aimé le fait qu'ils soient tous à base de plantes et fabriqués à partir d'ingrédients d'origine locale. Je tombais souvent malade du paludisme, au moins deux fois par an. Mais depuis que j'ai commencé à utiliser ces produits, je ne suis pas tombé malade depuis au moins trois ans. Et une épidémie a sévèrement frappé le pays en 2017. L'entreprise de Ginette, qui comptait au départ trois employés, emploie maintenant plus de 20 personnes. Elle envisage de s'étendre au reste du pays, surtout dans les zones rurales.